Géraldine, c'est une autre belle journée qui commence. Oui, une autre belle journée. On va profiter du soleil aujourd'hui, Audrey. Dernière belle journée avant la tempête de pluie qui nous attend, qui éventuellement, d'ailleurs, va toucher l'ensemble du Québec. C'est pas tout le monde qui aura des quantités aussi grosses que des 100 mm d'eau en moins de 24 heures. Mais disons que là, on profite du calme, du soleil et même d'une légère hausse des températures aujourd'hui et aussi le retour aussi d'un peu d'humidité. Il n'y a rien de lourd, rien d'accablant, mais des ressentis tout au plus 30, 31, 32 prévus pour le sud-ouest de la province. Et donc, en nuagement aussi progressif au cours de la fin de la journée. Fin de l'après-midi, Outaouais, Grand Montréal et les environs, les nuages seront un peu plus présents. Et on aura donc de la pluie déjà au cours de la nuit prochaine. Avant minuit, déjà de bonnes accumulations d'eau pour l'Outaouais, éventuellement aussi la rive sud de Montréal. Et après minuit, eh bien là, on va parler d'averses assez intenses qui nous attendent donc au cours des prochaines heures et surtout au cours de la journée de demain jusqu'à samedi. Ce sont les vestiges de cet ouragan Déby, tempête tropicale, donc qui va toucher le Québec dès la nuit prochaine, après minuit. Déjà, ça va s'intensifier. Et tout ce qui est d'ailleurs entre l'Outaouais et la ville de Québec aura de bonnes accumulations d'eau. On parle d'ailleurs pour les secteurs juste au nord du fleuve Saint-Laurent, Outaouais, Rive-Nord de Montréal, la Mauricie, entre autres, jusqu'à Québec, de quantités attendues jusqu'à 100 mm d'eau en moins de 24 heures, 80 à 100 mm environ pour ces secteurs. Tout ce qui est au sud du fleuve, donc Rive-Sud de Montréal, jusqu'à la Beauce, aux environs, là, disons, quand même de bonnes accumulations aussi, 70 à 80 mm d'eau en moins de 24 heures. La bonne nouvelle quand même pour les secteurs sud-ouest, soit Outaouais, Montréal, Laurentides aussi, c'est que déjà samedi, beau dégagement, accalmie, calme plat, le retour du beau temps, du soleil, alors que pour les secteurs un peu plus au centre et à l'est de la province, Québec, le Bas-Saint-Laurent, toujours des averses prévues samedi au cours de la journée. Ça devrait cesser en fin de journée samedi. Est-ce que ça va se dégager? Non, ça va rester instable. Et d'ailleurs, on attend l'arrivée d'une autre petite dépression pour terminer la fin de semaine. Voilà pourquoi dimanche, on a le retour des averses. Et pour des villes comme Québec, certaines villes aussi du Bas-Saint-Laurent et de la péninsule gaspésienne, on va donc avoir l'impression d'avoir touché une grosse dépression qui va perdurer tout le week-end. On parle de deux dépressions, donc les vestiges de débit, vendredi, samedi et dimanche, l'arrivée d'une autre dépression. Donc, précipitations qui vont tomber tout au long de la fin de semaine pour les secteurs un peu plus à l'est de la province, alors qu'au sud-ouest, beau dégagement prévu samedi, mais le retour de l'instabilité pour la journée de dimanche. Ce qui marque, somme toute, vraiment là, notre portrait météo, ce sont les importantes accumulations d'eau qui vont donc tomber. En fait, la pluie qui va tomber cette nuit et demain, surtout vendredi, une journée d'averse avec la pluie soutenue. Merci, Géraldine.